Les frères, les sœurs, est-ce que ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez différente. En effet, calmez-vous les gens, calmez-vous. C'est une vidéo sponsorisée. C'est une vidéo que ça fait 2 semaines que j'essaye de faire, mais j'essaie de vérifier tout ça pour vous. C'est une vidéo, pour ceux qui ne savent pas en tout cas, qui va vous permettre d'acheter des trucs sur Senseiya, donc des coupons ou des packs sur Senseiya à un prix largement moins cher que le prix du shop en France. Mais juste avant de vous expliquer tout ça, qui est vraiment une très très bonne offre legit, qui est sans problème, et je vais vous expliquer ça juste après, je vais vous expliquer pourquoi je fais pas trop de vidéos en ce moment ni de live. C'est car j'ai enfin trouvé mon alternance. Donc yay, mon moment à trouver une alternance. Mais du coup ça prend beaucoup de temps, et en vrai j'ai des vraies missions et des vrais bails à faire, donc c'est stylé, mais c'est prenant. Du coup je fais un peu moins de vidéos, et c'est car aussi ce week-end je pars à Bruxelles voir Kawhi et d'autres gens comme Dan. Yo Dan, si t'es dans la vidéo. Mais du coup, tout ça, ça veut dire que je pourrais dorénavant faire des vidéos que le week-end. Des vidéos et des lives, hors exception, genre comme un grand portail qui arrive mercredi. J'essaierai de faire un live le soir, même si je serai éclaté. Là, je suis un peu fatigué, mais on se motive, on fait cette vidéo et on vous donne les infos. Du coup, aujourd'hui, on va parler de quoi? Mais maman, on a vu le titre, on sait déjà tu parles de quoi. Maintenant, tu sais pas, car je vais pas mettre Amazon Coin dans le titre. On va parler du service Amazon pour acheter des packs sur Senseiya ou sur d'autres jeux comme Summoner Wars, etc. à un prix réduit, beaucoup plus intéressant pour les gens qui veulent mettre de l'argent, que ce soit des whales, du coup des grands cash players, désolé pour mon vague qui est cassé, ou des petits joueurs qui veulent, enfin des petits joueurs, des petits cash players qui veulent mettre genre 5€, 10€, 20€, 50€, etc. Du coup là je suis sur le jeu, on va sortir du jeu et on va vous expliquer comment tout cela fonctionne. Du coup faut savoir les gens que dès que vous avez cette vidéo dans la description, vous aurez deux liens. Ce lien là, du coup, qui va vous donner, qui est le lien pour que vous téléchargiez le App Store d'Amazon, et vous aurez le lien pour acheter les coins. On va expliquer les coins juste après, mais avant on va expliquer comment télécharger l'App Store, enfin l'Amazon App Store. Je suis désolé pour tout le monde qui a un iOS, c'est impossible pour le moment sur iPhone. Par contre c'est totalement possible sur Android, et bonne nouvelle, c'est aussi disponible logiquement du coup aussi sur BlueStacks, Nox et tous les autres différents émulateurs d'Android tout simplement. Du coup qu'est-ce que vous devez faire? Moi je vais être honnête avec vous, tout ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ce lien là et j'ai téléchargé l'Amazon App Store sur BlueStacks, car j'avais pas besoin de le faire sur Android vu que je joue sur BlueStacks comme quand je joue sur YouTube. Mais du coup tout simplement vous allez ici, normalement si vous êtes sur Android vous aurez un lien, si vous n'êtes pas sur Android ils vont vous demander de mettre votre email ou votre téléphone et ils vont vous envoyer tout simplement un lien. Sinon dès que vous téléchargez du coup l'App Store, soit vous l'installez, ça marche très simplement. Sinon, il faut aller dans les paramètres et paramètres l'installation, comme c'est dit ici dans le menu paramètres de votre téléphone. Vous allez vous appuyer dans l'application, vous cochez les sources inconnues, vous acceptez. C'est tout simplement que Android va avoir peur en mode, ouais, vous téléchargez une appli, mais pas du App Store. Et du coup, il va dire, ah, c'est un APK, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Du coup, vous le faites, vous appuyez OK, vous téléchargez et après, vous aurez l'application d'Amazon App Store. Dès que vous avez ça, je vais vous montrer l'appli tout de suite. Vous arriverez ici, vous aurez un petit, là je suis sur BlueStacks, du coup vous aurez un petit logo là, à côté de Senseiya, à côté de Dragon Ball, d'Amazon App Store. Dès que vous arrivez dedans, du coup, vous aurez les différents jeux où on a, qui sont disponibles sur l'App Store et du coup où l'offre va fonctionner. Ce que je veux dire tout de suite, et ça c'est le côté un peu chiant de cette offre, même si en vrai je trouve ça pas ça si chiant que ça, surtout si vous comptez mettre pas mal d'argent dedans, c'est que vous devez re-télécharger le jeu par cet App Store. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez Senseiya Awakening téléchargé par l'App Store de Google, enfin le Google Play Store, je crois que ça ne va pas marcher. Du coup, généralement, ce qu'il faut faire, c'est que vous vous assurez que votre compte est lié à soit Facebook, soit GTA Arcade. Enfin voilà, et généralement, liez-le toujours à tout, car de toute façon, ça vous donne des diamants. Et moi, je dirais liez-le à GTA Arcade quand même. Et dès que vous faites ça, vous désinstallez du coup le jeu et vous le téléchargez sur l'Amazon App Store. Du coup, vous allez là, vous téléchargez le jeu. Moi je l'ai déjà fait, du coup je peux l'ouvrir tout simplement. Là ça me donne sur mon jeu. Et dès que vous faites ça, vous pourrez aller tout simplement acheter des packs. Ce que je veux dire par là, c'est que là admettons, je veux venir acheter le pack à 100€. J'attends que ça charge, ça prend un peu de temps à charger, ça faut le savoir par contre. Mais regardez, ça s'affiche. Et là tout d'un coup pour acheter, c'est avec les pièces Amazon. Ça me propose pas avec la carte de crédit ou quoi, ça me propose avec les pièces Amazon. D'ailleurs notez aussi que j'ai 10 000 pièces Amazon. C'est pas le sponsor qui me les a donné, c'est moi-même qui les a achetés pour vous montrer que c'est un système legit. J'ai mis plus que 2 000€ sur mon compte Senseiya. Ça aurait été risqué, j'aurais vraiment pas acheté, mais ils m'ont vraiment confirmé et je leur fais confiance. Et j'ai eu un mail officiel d'Amazon qui montre que c'est legit.
Maintenant, pourquoi c'est intéressant? Là, on voit que des coins, monsieur. Oui, bah, je vais vous montrer les prix et on va comparer avec les prix du store français, les gens. Du coup, les prix des Amazon Coins, ils sont là, ils sont devant nous. La première, c'est 3 euros, 2,95 €. C'est pas le truc le plus intéressant sur Terre, on est bien d'accord. Mais plus tu montes, plus tu auras des soldes. Donc là, tu es à 3%. Tu passes à 500, le truc du coup, de 5 euros, tu es à 5%. 1000 pour 10 euros, tu es à 10%. Et pour les grosses whales comme moi, tu tapes dans les 10 000 et les 5 000. Les 50 000, je veux dire. 10 000, c'est l'offre qui est à 100 euros, qui du coup te quitte ici et te coûte ici 82 euros. Et 50 000, du coup, l'offre qui donne, qui est normalement à 500 euros, qui là te coûte 400 euros et du coup te fait économiser 100 euros, ce qui est 20%. C'est quand même énorme. Maintenant, on va voir ce que ça veut dire sur les prix dont le jeu est comparé au store. Car moi, je connais bien le store français, les gens. J'ai payé sur le store français, comme tout le monde imagine. Là, on va comparer avec le prix à 100 euros, car c'est le plus simple avec le store français. Pour la simple raison qu'on n'a pas de pack sur Saint Seiya où on peut acheter directement à 500 euros. Même si, notez bien et n'oubliez pas que celui à 500 euros est plus rentable. Notamment à cause du fait que c'est 20% et pas 18%. Mais du coup, là, on est bien d'accord que 10 000 Amazon Coins, du coup, le prix qui est normalement à 100 euros, ici, nous coûte 82 euros. Notez bien, 82 euros, 10 000 coins. On y va, les gens. Du coup, là, on est dans le jeu. Et on a l'offre des 6 000 coupons. Là, il faut savoir qu'ils ont été rechargés. Du coup, on est sur un très bon moment pour cashplay, si vous voulez. Car tous les coupons sont en x2 maintenant. Ce qui veut dire que si tu achètes 6 000, tu auras 12 000. Si tu achètes 3 000, tu auras 6 000. Mais ça, c'est pas par rapport à Amazon. C'est par rapport à l'offre de base sur Saint Seiya. Mais du coup, ce qu'on veut dire par là, c'est comme on a dit, les gens, 10 000 coupons, c'était 82 euros, je crois. Or, si je me foire. Ouais, c'était 82 euros, les gens. Désolé, je voulais vérifier pour être sûr de vous dire le truc correctement. Du coup, normalement, ce pack-là, je vais être honnête avec vous. J'ai pas la mémoire exacte, mais je crois que c'était 109,99 € sur le store français. Car on a des taxes, du coup, on paye plus cher que carrément le 100 $ affiché. Du coup, on payait 110 euros pour 6 000 coupons. Là, les 10 000 pièces Amazon, ça nous a coûté 82 euros. Il faut savoir que le 6 000 coupons nous coûte quasiment, enfin là, on voit bien, 9 026. Du coup, tu gardes 1000 pièces Amazon en plus. Ce qui veut dire que, allez, 1000 pièces Amazon, on avait bien vu que ça coûte, on va revenir tout simplement. 1000 pièces Amazon, même sans l'offre, ça coûte 9 euros. Du coup, si on enlève les 9 euros, on revient à 82 moins 9, c'est ce qui fait 73 euros. Ce qui veut dire que tu payes le pack à 100 euros, qui coûte dans le store français 110 euros, 73 euros, frérot. Ce qui veut dire que tu passes de 110 à 73. On fait quelques calculs, ça fait 30, ça fait 40, 37 ou 35. Enfin bref, vous avez plus que 30 euros de solde. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment fatigué. Mais du coup, vraiment, vraiment, c'est grave rentable. En plus de ça, n'hésitez pas à utiliser mes liens dans la description, car mes liens, bah, ça m'aide à moi, car ça me référence, ça leur montre qu'il y a des gens qui viennent de mon lien et du coup ça leur fait plaisir. Ça me fait plaisir car oui, je vous cache pas, comme je vous l'ai dit, s'il y a une offre sponsorisée, du coup ils me donnent de l'argent. Mais vous savez très bien que sur cette chaîne, j'ai jamais été là pour l'argent, même s'il y a des pubs, on est bien d'accord. Mais on est là pour kiffer, je fais des vidéos à 1600 invoques. Il n'y a personne qui est rentable sur une vidéo de 1600 invoques. Mais c'est des gens legit et c'est une offre qui est vraiment intéressante pour vous les gens. Donc je trouvais ça dommage de pas le partager avec vous. Et le côté sponsor, ça fait toujours plaisir. Mais du coup, pour finir cette vidéo et vous faire plaisir, on va partir sur des invoques, car on aime bien invoquer ici, hein. On aime très bien invoquer, ça fait longtemps que vous avez cet écran devant vous. Du coup, devant vous, je vais utiliser les Amazon Coins, qui sont vraiment trop intéressants, limite plus intéressants que les achats sur Huawei, car j'ai un Huawei à côté, mais là j'ai choisi de payer 100 euros avec les Amazon Coins, car mine de rien, c'est un peu plus soldé quand même, hein. Or, quand il y a peut-être des offres vraiment stylées en mode événement Huawei, mais là, pour le moment, il n'y en a pas. En tout cas, ce que j'ai vu moi, il n'y en a pas. Et du coup, sur Huawei, je paye plus ou moins 88, alors que là, je paye carrément moins 80 euros, si on calcule bien. Et du coup, c'est grave rentable pour moi. Et on achète et on arrête de blablater. Let's go! On est de retour. Désolé, j'ai dû cacher ça, car bon, c'est des trucs confidentiels, quoi, on peut se le dire. Bon, là, ça bug un peu. Ouais, ça s'est enlevé. Et regardez, j'ai reçu mes 12 000 coupons. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Vous avez bien vu, j'ai acheté ça avec des Amazon Coins. Ça m'a coûté moins que 80 euros le pack qui coûte normalement 110 euros. Oui, je me répète, mais c'est quand même ouf. Sur ce, on va faire quelques invoques sur Poseidon. Pourquoi pas, on se fait plaisir. Et il faut bien se faire plaisir dans la vie, hein. Allez, on va prendre Saga aussi, car aujourd'hui, j'ai bien envie de me faire plaisir. Allez. On va faire par contre que 4 multi, il ne faut pas abuser. Poseidon, je le veux et il y a beaucoup. Ah oui, faut en parler de ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire, mais je croyais que tu boycottais Poseidon, pourquoi tu invoques dessus? Pour la simple raison, les gens, que on va faire ça sur balance,
que sur le nouveau pavillon des trésors, Poséidon donne beaucoup de bonus que je veux pas louper. Mais Poséidon, faut le savoir, je le boycotte, je le joue pas. Mais si je l'ai en 4 multi, ça ferait plaisir. Et c'est parti, première multi. Et on va rien avoir, ça fait plaisir, yes. Bon écoutez, on connaît ma chance maintenant, même si j'ai eu pas mal de chance sur Death, j'avoue. D'ailleurs, j'ai kiffé faire des PVP, n'hésitez pas à me follow sur Twitter, c'est aussi dans la description. Je mets des informations là-bas par rapport à mon PVP, par rapport à tout, je suis vraiment actif sur Twitter, donc n'hésitez surtout pas. Voilà, voilà. Et pourquoi je participe pas au Jamir, c'est encore une fois, vraiment pas beaucoup au Jamir pour la simple raison qu'avec mon alternance et mon école, j'ai vraiment pas le temps de respirer, sinon j'aurais été en live. Désolé les gens, on revient en week-end, Inch'Allah, comme on dit. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et la liker. Car vraiment, c'est, pour moi, c'est une astuce, c'est un sponsor qui est vraiment bien. Et ça serait dommage de pas se le partager parmi les gens qui mettent de l'argent dans le jeu. Pourquoi mettre 110 euros quand vous pouvez mettre 118? Ça serait débile de votre part. Oui, je me répète. Mais moi-même, franchement, j'aurais su ça dès le début. J'aurais pas mis les packs à 110 euros que j'ai mis. J'en ai mis pas mal, Dieu le sait. Hein. Ah, par contre, là, je drop pas de ouf. Hein. Pourquoi pas de drop des Krishna, des canons. Allez, dernière multi, on va la faire sur le loot, tiens. Allez, faites-moi plaisir, allez. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le petit SS. Enfin, un petit S, allez. Allez, je demande pas trop, quand. En plus, je dois garder pour Chanel, ça va être galère. Camus, ça me va très bien. Camus, c'est très bien. Franchement, on finit cette vidéo sur une bonne note. Camus, il fait plaisir. Car Camus, j'ai pas encore son RC, mais dès que j'aurai son RC, ce serait très bien. J'ai eu quand même 2-4 étoiles, je crois. Ça fait grave plaisir. Et moi, sur ce, je finis la vidéo. Je vous dis en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait plaisir. N'hésitez encore, surtout pas, à aller dans la description. Il y a les deux liens. Le lien pour télécharger l'Amazon App Store, qui est juste disponible pour Android. Et du coup, les émulateurs d'Android, comme BlueStacks, Nox, etc. Et le lien, comme j'ai dit, pour acheter les coins sur Amazon. Mais juste un petit disclaimer, quand vous achetez les coins, c'est en un bouton, vous allez cliquer. Si vous êtes connecté sur votre compte Amazon et vous avez votre carte de crédit, ça va débiter tout de suite. Donc faites gaffe à ça, appuyez lentement, je vous dis ça, car des fois, quand tu commences à mettre de l'argent sur un jeu, tu deviens impulsif. Donc évitez d'être impulsif quand même. Mais faites-vous plaisir, c'est une offre vraiment intéressante et vous allez faire des économies. Ça va être surtout beaucoup plus rentable pour vous de mettre de l'argent sur l'Amazon App Store que sur le Apple App Store ou le Google App Store, Android général et iPhone quoi. Et moi sur ce je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver sur des lives et des vidéos, je vous promets, dès le week-end, pas celui-là mais le prochain. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, à la prochaine, au prochain, j'ai pas parlé, à la prochaine vidéo, au prochain live et tchuss les frères.